Bah non, non, je t'ai dit, elle a un boulet gros comme ma tête. Non, non, elle court pour la semaine prochaine. Pas courir sur trois pattes. Un boulet, c'est quoi? C'est sur une jambe? Non, mais elle a un boulet en vrac et elle va pas courir sur trois pattes. Il lui reste les trois autres jambes de toute façon. Ah non, mais elle déconne pas, j'ai dit à Michel Denisot qu'on courait, c'est sûr. Hein. Non, mais comment veux-tu qu'elle court? Elle a trois jambes. Avec trois jambes, on peut courir. Elle a pas besoin des quatre jambes pour courir, cette bête, non? Non, mais tu vas où là? Tu vas la faire courir sur trois jambes? Non, mais non, elle en a une en vrac, on est foutu. Faut qu'on répare. Mais depuis quand avec trois jambes on peut pas courir, Mathieu? Ça fait 4 ans que je vends des chevaux, même des chevaux qui ont trois jambes, j'ai toujours réussi à très bien les vendre. Avec trois jambes on peut courir. Ah d'accord. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas tellement ça, c'est que toujours quand je suis passé chez le chef, tu vois là, au niveau de l'encolure, là dans le canon, elle avait une grosseur dans le canon, là, une espèce de truc un peu banané. Ouais, ouais, je vois. C'était quoi ça? Ouais. Ah, le canon là, ouais. Le canon, ouais, c'est quoi? C'est la rotule qui est en dessous le canon là? Ouais, ouais, vois, bah, c'est, oui, c'est ça. Ouais, ça devait... vu ça, une espèce ouais, de. Ouais, mais ça doit être la perf qu'on a dû faire avant la course. Ah, c'est ça, une perf, vous l'avez perfusé, d'accord. Ouais. Bon, alors donc, on peut courir sur trois jambes. Moi, je peux pas dire non à Denisot, je peux pas passer pour un idiot, c'est pas possible. Je veux pas prendre le risque, franchement, je veux pas prendre le risque de courir sur trois jambes, désolé, Franck. Bon, bah, écoute, on va lui inventer autre chose, c'est pas grave, on va chercher. Allez. Et sinon, Franck, ouais, t'as vu un petit peu pour la suite la, la rééducation, la rééduque et tout, monsieur, parce que... Tu vas partir, attends deux secondes, excuse-moi. Tu vas... Oui, oui. Ouais, mais pas maintenant, je suis avec ce pauvre Mathieu Abrivard, là, et on est en train de voir tout son programme et la suite après pour sa rééduque et tout. Bon, on se rappelle après, hein? Ok, ciao, merci beaucoup. Ouais, excuse-moi. Donc, qu'est-ce que tu me disais? Ouais, pour le... non, bah, t'as vu avec monsieur Nathan un petit peu ah, pour oui, oui. aller donc, Nathan partir. M'a dit le truc le plus important pour toi. Ouais. Ça, écoute bien ce que je te dis, parce qu'après, tu vas partir en vrille, surtout pour les papiers, c'est super important. Ouais. Excuse-moi. Ouais. Oui? Ah oui, oui, bien sûr. Oui. Non, non, je serai là, il n'y a pas de problème, comme on a dit au rendez-vous. Bah, écoutez, je pense. Non, non, on attend la visite vétérinaire cet après-midi et ça devrait bien se passer. Et après, il n'y a plus qu'à payer et c'est bon. Pas de soucis. Je vous écourte un peu parce que je suis avec un de mes pauvres jockeys blessés à l'hôpital là et on était en train de faire le compte rendu opératoire. Voilà, merci. Merci bien, à tout à l'heure, pas de soucis. Excuse-moi. Ouais, qu'est-ce tu que disais... tu me disais? T'as mangé à midi? Ouais, j'ai mangé, mais surtout ce que je voulais savoir, c'est pour la suite quoi. T'as pas fini de le dire, ouais. Nathan, donc. Ah oui, oui, c'est ça, surtout le plus important. Ouais. Il faut que tu dises bien à Nathalie ou à tes parents, je sais pas qui va gérer tes. Je sais pas qui va gérer. Putain, c'est une tannée aujourd'hui. C'est... Oui. Oui. Je sais pas ce qu'il vient faire là, il m'écoute pas, ça commence à me prendre la tête. D'accord. D'accord. Ok, bon écoutez, pas de soucis. Non, non, ça me va très bien comme ça. Oui, c'est le plus simple de toute façon. Super. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci, à vous aussi. Au revoir. Ouais, excuse-moi. Donc tu me disais, qu'est-ce que t'as bouffé à midi? Non, j'ai pas faim là, parce qu'il y a pas mal de trucs qui me turbinent. Je te demandais, Nathan. Oui. Alors, la suite, on fait quoi? Eh ben, Nathan, oui, oui, il faut que je le voie, Nathan. Il va voir. Je devais le voir, de toute façon. Putain, midi, moi, déjà. Mathieu, on se tient au courant, ma poule, je te laisse. J'ai 2-3 coups de fil à passer, je suis trop à la bourre en ce moment. Ouais. Je te tiens au courant pour Nathan, de toute façon. T'inquiète pas. Ouais, faut que je le voie. Ouais, bah, tu me tiens au courant, je te dis, de toute façon, il a commencé à. Excuse-moi. Ouais. Oui, ne quittez pas, je vous reprends tout de suite. Ok. Je vous reprends tout de suite. Merci. Je comprends comment t'arrives à te montrer. On a pris du vin, pas des ingrats, c'est un petit bachiste, t'achètes un truc à ta mort. Tu sais, tu lui jettes comme ça des gouttes et toi tu fais pareil. Toi tu dis tiens pareil, quoi. La prothèse en plastique est. La prothèse. Oui, en fait. Ouais. Bonjour, service du midi. C'est toi ça. Non, non, attends, effectivement, je me casse pas le cul pour sa diététique pour que tu lui ramènes tes merdes. Tiens, ça, tu le ramènes au Resto du Cœur. Concombre, fromage. Et... T'es gentil, tu le ramènes au Resto du Cœur, t'envoies sa peluche pour moi. Allez, au revoir, merci, c'est gentil. Tiens, attends, attends, fils, attends, viens. Tu sais ce que tu vas faire? Je vais te filer un petit bifton, tu vas lécher le nôtre en bas. Tu me fais la totale, chocolat, petit four, petite salade de pâtes, machin et tout. Tu ramènes et tu gardes tout pour toi. Vas-y, fils, ça reste entre nous, hein. Oui, monsieur. Allez, vas-y. N'oublie pas d'embrasser Coluche. Ouais. T'inquiète pas, tu vas revenir. Entrez. Ouais. Ah, fils, on va refaire. Ah. Magnifique. Regarde, Mathieu. Tout ce que vous voulez. Ouais, merci beaucoup. Super, t'as été parfait. Vous laissez ça là? Ça a de la gueule, ça, quand même. T'as pris les petits trucs au foie gras? Ouais, oui, parfait. Oui. Tout est bien. Il y a les boissons là-dedans. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Eh ben, magnifique.
Ouais, mais Yon, j'espère que ça ira. Ça reste en bon. Vas-y, écoute, je te l'avais si pas dans le plateau, si vous voulez, ou pas. On refait la même demain. Et bon, on recommence demain, pas de soucis. C'est pas beau ça, Mathieu? Merci. Oh, bonne journée. Bonne journée. Salut, mom. Ouais, mais c'est, tu crois que Yon, c'est. Tu crois que c'est vraiment bon pour moi tout ça? T'as vu tout ce qu'il y a? La diététique? Ouais, ouais. Tu rigoles ou quoi? Ça fait 40 ans que je suis au régime, Mathieu. Je sais ce que c'est au niveau diététique, je suis imbattable. Je te dis que si tu bouffes tout ça, tu vas redevenir un beau et grand jeune homme comme moi. Tu vas voir comment tu vas les mettre droit. Merci d'être venu nous rendre visite. Allez. Même si on y avait pensé, on n'était pas sûr. Merci. Merci à vous qui t'arrivez. Voilà pour vous dire. Bon, tiens, rien du tout. Mais tu vois, c'est con qu'elle ait passé pour ça avant le SMIC classique de. T'as pas un autre 2100 prochain coup monté? Parce que je pense que je vais être prêt. L'Île-de-France, je te la mets. Oh, l'Île-de-France, c'est loin, oh, c'est loin, mais je te la prépare. Je vais être rouillé d'ici là, par contre. Hein. Mathieu, tout le monde se pose la question, mais on va te revoir quand en compétition, sur un sulky. T'as déjà attelé à l'entraînement? Ouais, j'ai attelé à l'entraînement, gentiment. Je suis bien, je suis à l'aise. Dans le sulky, j'ai pas de douleur et tout. Maintenant, après, là, je marche quand même de mieux en mieux. Faut pas que j'aille trop vite. Mais on va essayer de courir fin du mois, atteler. Voilà. On va voir un peu ce qu'on a dans les box déjà. Pour essayer de se mettre une petite cartouche sympathique d'entrée de jeu, quoi, histoire de pas prendre de risque, partir en dehors et puis venir aux avant-postes. Et on va voir. Fin du mois, j'ai rien, j'ai pas de date de fixer. Je me sens de mieux en mieux. Et je veux pas arriver aux courses et faire pitié en descendant du sulky, en montant dedans. Ça a été quand même une grosse étape et tout. Donc je veux vraiment me sentir bien le jour où je vais revenir sur un champ de course. Donc là, avant le coup, je m'étais dit que j'allais pas revenir à Vincennes avant de renfiler la combinaison. Je vous cache pas que j'étais obligé de venir parce que j'ai une soirée ce soir et donc c'était sur la route. Sinon, je serais pas venu. Je suis pas venu pour voir forcément le Normandie puisque je voulais pas revenir à Vincennes avant. Mais bon, ça t'a permis de voir ta côte d'amour quand même. Ouais, non, ça fait plaisir, ça fait du bien. On voit du monde et tout. Déjà, j'étais à Cran le week-end dernier. Il y avait déjà du monde également. Il y avait plus de monde dans les tribunes à Cran qu'ici. C'est un petit peu embêtant ça, mais là, on est sorti. On voit du monde, ça fait du bien. Et puis revenir à Vincennes quand même, ouais. J'ai été faire un petit tour dans ma case. Mes affaires commencent à prendre la poussière. Donc il va falloir qu'on remette ça en place assez vite, donc on va secouer un petit peu le vestiaire et on va essayer de revenir pour la fin du mois.